Pedro, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les petits potes, je vais vous expliquer comment faire cette bannière ou encore cette photo de profil. Si jamais vous voulez savoir comment mettre une bannière ou une photo de profil sans le nitro, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne, je vous invite à aller la voir. J'essaierai de la mettre dans la description. Donc comment faire ce genre de truc? Alors bien sûr vous avez des choix, vous pouvez changer des couleurs et vous avez beaucoup d'autres aussi, hein. C'est très simple, vous allez vous rendre sur le site dans la description. Donc c'est ce site. Donc, quand vous arriverez sur le site, vous aurez ceci. Et donc, vous allez aller dans Free Template. Alors, on va aller du coup d'abord voir les icônes. Enfin, les icônes du coup. Alors, vous pouvez utiliser les icônes. Soit vous pouvez utiliser pour les serveurs, soit du coup pour votre photo de profil. Donc, par exemple, je sais pas, vous voulez celle-là, par exemple. Donc, ça, c'est celle que j'ai fait. Mais imaginons, on va faire celle-là, par exemple. Donc vous pouvez mettre bien sûr votre pseudo, donc vous attendez que ça charge, voilà, vous mettez votre pseudo, donc moi par exemple Pedro, et imaginons vous voulez changer la couleur, vous voulez mettre sur du bleu, vous faites render, vous allez patienter, alors vous pouvez faire autant de fois que vous voulez et gratuitement, voilà, et en plus vous n'avez même pas de filigrane, juste à attendre du coup que ça se fasse, donc c'est un rendu que ça se fait, donc ce que je vais faire c'est que je vous mets un petit accéléré et je vous reprends tout de suite une fois que c'est terminé, à tout de suite. Voilà, une fois que c'est fini, vous avez deux propositions, donc les deux sont gratuites bien sûr. Donc soit vous avez la version statique, soit du coup vous avez la version animée. Donc vous téléchargez, et puis ça vous téléchargera en format .gif. Donc ça c'est pour les icônes. Vous pouvez aussi faire pour des alors icônes du coup. Donc là vous avez aussi d'autres icônes encore qui vous proposent. Alors attendez, hop. On va aller voir pour les bannières. Donc là c'est des bannières de profil. Donc c'est exprès pour les profils. Donc vous en avez plusieurs. Alors faut juste qu'elles chargent. Donc attendez, je vous reprends tout de suite une fois qu'elles ont chargé, parce que j'ai un petit problème. Je vous reprends tout de suite. Voilà, donc après avoir chargé le site, du coup on y est. Donc voilà, donc ça c'est pour les bannières de profil. Donc vous avez plusieurs sortes. Donc par exemple on va prendre celle-là, imaginons. Donc celle-là on peut juste mettre son pseudo, donc moi pour le tuto du coup Pedro, et vous cliquez sur render. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais juste ouvrir une nouvelle page pour vous montrer les prochains, et en attendant celui-là il va se faire du coup. Donc les autres après on a du coup des bannières animées. Donc ça c'est plutôt sympa, alors faut qu'elle charge encore une fois aussi, donc faut que ça charge. Donc en fait des bannières animées je vais vous montrer par rapport à mon serveur, donc par exemple c'est quelque chose comme ça. C'est des trucs comme ça en fait. Donc vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, hein. Vous pouvez. Alors je sais pas si vous pouvez choisir les... si on peut choisir. Je crois qu'on peut choisir les couleurs, ouais. Ça a du mal à charger parce que je fais le rendu en même temps. Mais vous en avez plein. Donc ce que je vais faire c'est que je vais encore vous faire une coupure. Je suis désolé, mais comme ça quand tout sera fini, je vous montrerai tout en même temps. Donc je vous reprends, à tout de suite. Voilà, donc là les bannières ont chargé. Donc vous voyez, vous en avez vraiment plein. C'est assez simple en utilisation, hein. Je vais vous montrer. Donc par exemple, on va prendre celle-là. J'espère que ça va bien. Ok, c'est bon. Donc par exemple vous mettez votre nom du serveur. Donc je sais pas moi, Pedro test test 2. Hop, je vais montrer à la fin le rendu. Test 3 et test 4, imaginons. Voilà, vous pouvez bien sûr changer la couleur. Donc ça c'est en temps réel que vous pouvez voir. Donc imaginons vous voulez mettre du rouge, vous voulez mettre du jaune, enfin voilà, vous mettez ce que vous voulez. Donc par exemple moi je vais tester avec du bleu. Donc je vais faire render et en attendant du coup je vais vous montrer, donc voilà la bannière, ce que ça donne. Donc je trouve ça assez sympa, donc je verrai peut-être que je la changerai. Et sinon voilà. Donc ce que je vais faire c'est que je vais attendre maintenant le rendu. Bah attendez, ça va être rapide, hein, le rendu. Vous voyez c'est assez rapide, ça me le convertit même pas en GIF, non même pas. Voilà, donc ça donne ça. Donc test, voilà, bon c'est pas très joli, hein, mis comme ça, mais c'est sympa, voilà. Donc vous voyez, hop. Donc voilà. Donc c'est sympa, vous pouvez télécharger. Alors vous avez du coup une version qui prend vraiment très peu de place. Mais même les versions comme ça, elles passent sur Discord. Et on peut les exporter directement sur Discord, il n'y a pas de souci, sans nitro ni rien. Donc voilà, je vous conseille de prendre la version iRes. Voilà. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo, donc après je vous laisserai regarder par vous-même les autres choses qu'on peut avoir, hein. Vous avez aussi des bannières de serveurs, hein. Donc ça c'est pour les serveurs qui ont des nitros,
C'est les serveurs qui ont des boosts. Vous pouvez mettre ça. Alors, elles sont pas animées. D'ailleurs, c'est assez bizarre. Mais voilà. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Le site sera dans la description si vous voulez savoir comment avoir une photo de profil et une bannière animée sans le nitro comme moi. Je mettrai le lien de la vidéo dans la description. Sur ce, c'était Pedro. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, bye!